Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles, amen. Alléluia. Dieu, Esprit Saint, Psaume 118, première strophe. Dans ses voies. Toi, tu promulgues des
observer tes volontés. À nos genoux, règne honte. En revoyant tous tes ordres, je rendrai grâce en droiture de cœur. Instruis de tes justes jugements. Tes volontés, je les veux observer. Ne me délaisse pas entièrement. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, amen. Psaume 124. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Le Seigneur sur le Seigneur ressemble à mon sillon. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem, les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple. Dès maintenant et pour toujours. Jamais un sceptre. Psaume 125. Quand le Seigneur amena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Et l'on disait chez les païens merveilleux. Que fit pour eux le Seigneur? Merveille, que fit pour nous le Seigneur? Nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme torrents au désert. Les semeurs qui sèment dans les larmes, moissonne en chantant. On s'en va en pleurant, on porte la semence. On s'en vient en chantant, on rapporte les germes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour des siècles, amen. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ et nos cœurs.
Cantique de Baruch, page 317. Celui qui sait tout connaît la sagesse, par son intelligence il l'a scrutée. Lui qui a fondé la terre pour toujours, l'a remplie d'êtres vivants. Il envoie la lumière et elle dort, il la balaye et brille en tremblant. Les étoiles brillent à leur poste joyeuse, à sa voix elles répondent, nous voici. Elle brille avec joie pour leur auteur, c'est lui notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable. Il a scruté la connaissance tout entière. Il l'a révélée à Jacob, son serviteur, à Israël, son bien-aimé. Ainsi est-elle apparue sur la terre. Elle a conversé avec les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui subsiste éternellement. Celui qui la garde vivra, quiconque l'abandonne mourra. Reviens, Jacob, saisis-la, marche à sa splendeur, à sa lumière. Heureux s'en est nous, Israël, ce qui plaît à Dieu nous fut révélé. Olivier Clément, entrez dans la joie de la liturgie. Toute ouverture de l'homme au mystère est prière. Prière aussi, toute relation de l'homme avec le Dieu personnel, d'abord dans la contestation de Job. La célébration constitue la moelle des choses. Le cri de Job est le grondement de l'histoire. La prière chrétienne témoigne que Dieu lui-même s'est fait Job, que l'amour est secrètement vainqueur, que l'homme en Christ peut célébrer le sens aussi bien de la louange cosmique que de l'apocalypse historique. Et certes, il le fait à chaque Eucharistie. Mais comment stabiliser, incarner cette célébration? Comment, selon les injonctions de saint Paul, prier sans cesse et faire Eucharistie en toute chose? C'est pour répondre à cette question que s'est développée dès les origines du christianisme, et non sans racine dans l'Ancien Testament, comme le prouve d'étonnante convergence avec la spiritualité juive, toute une méthode, art des arts et science des sciences, connue sous le nom d'hésychasme, du grec hésychia, qui désigne le silence d'union à Dieu. L'Occident chrétien a mis l'accent sur la parole de Dieu, et l'Orient chrétien sur le silence. Ce langage du monde à venir, disait Isaac le Syrien. Non qu'il y ait opposition. Le silence repose sur la parole, comme l'esprit sur le verbe. Le silence est à l'intérieur de toute vraie parole d'Église. Dans le dogme, l'antinomie. Dans le chant, la beauté ineffable de la musique, dans les mots d'un père spirituel, la semence de vie, et le sang dans le témoignage du martyr. Une parole qui ne s'ouvre pas sur le silence devient idéologie.
merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur, ô roi des nations. Puissance céleste elle-même connaissent grâce à l'Église les multiples aspects de la sagesse de Dieu. Grandes, merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur, ô roi des nations. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère, comme je vous l'ai déjà écrit brièvement. En me lisant, vous pouvez vous rendre compte de l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au même partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. De cet évangile, je suis devenu ministre par le don de la grâce que Dieu m'a accordée par l'énergie de sa puissance. À moi qui suis vraiment le plus petit de tous les fidèles, la grâce a été donnée d'annoncer aux nations l'insondable richesse du Christ et de mettre en lumière pour tous le contenu du mystère qui était caché depuis toujours en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, les puissances célestes elles-mêmes connaissent, grâce à l'Église, les multiples aspects de la sagesse de Dieu. C'est le projet éternel que Dieu a réalisé dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Et notre foi au Christ nous donne l'assurance nécessaire pour accéder auprès de Dieu en toute confiance. Nous te rendons grâce, ô notre Père. Nous te rendons grâce, ô notre Père. Depuis quelques jours, nous nous laissons entraîner avec Paul dans la connaissance du mystère du Christ, mystère du salut et de l'Église, mystère tenu caché depuis les siècles en Dieu, le Créateur de toutes choses. Cette connaissance du mystère, nous dit Paul, est une grâce. Vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Il n'y a pas de connaissance du mystère du Christ sans révélation que Dieu en fait. Il en est ainsi aussi pour nous. Car si nous pouvons accueillir ce que nous partage Paul, en écho à la grâce que Dieu lui a faite pour nous, fruit du don d'intelligence, il n'en demeure pas moins que la connaissance du mystère du Christ est pour nous aussi révélation. Car la connaissance dont il s'agit ici dépend de son origine divine. Paul vient d'exposer en quelques mots, brièvement, dit-il, nous l'avons entendu hier, ce mystère, en nous désignant l'ensemble des croyants comme corps du Christ.
Sans doute sommes-nous trop habitués à cette affirmation. Mais au temps de Paul, il s'agit d'un mystère jusque-là caché et maintenant révélé, qui consiste précisément à définir les croyants, quelle que soit leur origine, comme le corps du Christ. Cela signifie que les nations bénéficient de la même promesse au même titre que les Juifs. Elles en sont héritières dans le Christ. Que les chrétiens issus des nations constituent au même titre que ceux issus d'Israël le corps du Christ est tellement inattendu que seul le terme de mystère, justement, pouvait pour Paul à la fois en dire la nouveauté et l'enraciner dans le dessein de Dieu. Mais alors, en quoi la connaissance de ce mystère demeure-t-elle aussi pour nous révélation? Je répondrai ainsi. C'est à la mesure dont je laisse ce mystère se dévoiler à moi, s'imprimer en moi, dans ma vie, dans mes relations, par le moyen de l'Évangile et des sacrements, que je peux y entrer. C'est une révélation qui me fait vivre, qui me transforme, qui m'édifie de l'intérieur, qui m'incorpore à celui que je contemple. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, dit saint Paul. Et c'est précisément ce qui nous est donné de vivre à chaque Eucharistie. Aussi, j'aime à me redire en priant l'Épître aux Éphésiens que nous sommes le fruit de la prière de Paul relayée par l'Église. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi, dira-t-il plus loin. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Sa prière n'est pas restée vaine pour notre intelligence. Ainsi, vous serez capable de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Comme à bout de souffle, devant la grandeur de ce mystère, nous pouvons alors, avec l'apôtre des nations, nous en remettre au souffle divin qui murmure en nous « Abba, Père ». Nous tombons intérieurement à genoux, dans une attitude d'adoration, pour nous laisser entraîner dans la grande prière d'action de grâce de Jésus à son Père, pour être conduits tous ensemble à celui qui, par la foi, habite le cœur de l'homme, le Christ Jésus.
Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Pour les pays meurtris par la guerre, pour que cessent les hostilités, Seigneur, nous te prions. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Pour le pape François et pour ses intentions, Seigneur, nous te prions. Fais grandir, Seigneur, la protection de l'environnement et la sauvegarde de la nature. Seigneur, nous te prions. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Saint Dieu, saint fort, saint immortel, prends pitié. Dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie.
chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes.